Ce triporteur contient des vivres et nos vivres destinés aux prisonniers de Kakwangura. Un sac et demi de maïs, un sac de haricots, des choux, des bois de chauffe, une table servant d'hôtel pendant la messe, un Ferrari passé. Quelques prisonniers ont reçu des petites sommes d'argent des poches des fidèles. Ces dons étaient collectés par les chrétiens de la paroisse Notre-Dame des Banneux de Misébéré. Cette équipe de 15 personnes en provenance de Misébéré pour remettre cette assistance est conduite par le père Jean-Marie Vianney Moussonja. Ici, les prisonniers ont eu droit à une célébration eucharistique. Le père Jean-Marie Vianney Moussonja de l'ordre des Carmes, le père curé de la paroisse Notre-Dame des Banneux, affirme que la prière, le manger et d'autres nécessaires sont des besoins réels pour ces détenus. Le constat est amer, surtout à cause du débordement de la prison, avec un nombre très élevé de détenus, plus ou moins les 1000 premiers de détenus. Et cela occasionne beaucoup d'états de maladie. Voilà les constats amers. Les chrétiens doivent s'unir pour multiplier les œuvres caritatives de ce genre, a-t-il suggéré. La communauté, nous demanderons de s'unir en un seul homme et de conjuguer les affaires et en matière de nourriture, en matière de médicaments, en matière de visite aussi régulière. Afin que le prisonnier aussi se sente donc plus proche de la population. Parce que ceux-là sont nos parents, sont nos frères et sœurs, sont nos enfants qui sont en train de souffrir dans cette prison. Ce n'est pas une première fois pour les chrétiens de Notre-Dame des Banneux de Misébéré de payer visite aux locataires de cette maison carcérale.